autres, moi, je, moi honnêtement, garde ta mini après. Hein, quand on, après l'autre, tu sais pas aussi. J'ai pas compris. Ah, il vient? Il vient? Oui, attends. Non, il est par là-bas, il y a un appartement dans la rue là-bas. Il parle de son appartement. Ah, il n'est pas à Pierre Blancpain, normalement il est. Journaliste de BFM TV. Je suis juste à côté de la cam. Si je mets ma tête, tu me vois direct. Voilà. Mais tu vas voir, je passe mon bras, tu sais, le petit chien, le pull d'hier là. Je... Non. Juliette, vous le prenez en duplex là? Allô? Je sais pas. Je sais, on est ça. Allô Juliette, tu m'entends? Mais t'as un terrain. Ouais, pour Benoît. Ouais, il est au téléphone. Oui, il est à l'hôpital. Hein? Je sais pas, mais il y a des chances que oui. Non, pas tout, sinon, c'est un marin maghrébin. Non, il était seul. Il était seul. Benoît. Barra là, va aller les choses. Il y a un combat du chien. Il y a une attaque de chien. Trois. Bon, maman, à tout à l'heure. Allô. Oui. Et toi? Je suis de
devant la caméra de BFM TV. Non. Je ne sais pas si de là-bas à là-bas il circule. BFM TV, tu as vu ce qui s'est passé ce matin? Ah bon? À Notre-Dame? Ah, plus haut, oui, non. Oui, oui. Oui, la duplex dans 6 minutes. Ouais. On va essayer de taper tout à l'heure. Il y a des messages. Allô, Juliette. Oui, bah, pour l'instant, c'est bon, tu peux appeler Benoît. Comment dire, je suis à côté des journalistes, donc je plus de batterie. On va donner de la force avant de duplexer. À tout à l'heure. Qui ah, en même fort, temps. Fort. Ouais, c'est du fort. Julien, tu es là? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec le duplex Pascal? Ballon. Ok. Alors rappelle-moi sinon. Tu veux économiser la batterie, ça t'embête? Et attends, et les mecs, parce que c'est les PM que... Putain, tu les connais? Non. Oh, putain. Oh là 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 là. Oh my god. Ok. Bah écoute, je t'écoute. Bah évidemment. Non.
Et votre commandant qui est là, du coup ? Il est là. Ah oui. Pas du tout. Putain, ça serait tellement énorme. Non, non, stand-by, on attend. On va dire aux gens là, on va dire aux gens, vous allez vous mettre sur le côté s'il vous plaît, vous mettez sur le trottoir déjà à présent. Ouais. Merci à vous. Si, 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 je vais négocier, je vais négocier. Attends, je vais voir s'ils sont là. Merci beaucoup. Vous m'appelez bien. On va faire le C'est celui qui était au GIGN. Ah, c'est JC. D'accord. Bon, oui, je l'ai vu, JC. Ouais, je vais essayer. Si on peut déposer les lumières, par exemple, si vous êtes d'accord. Et s'il est d'accord, on peut dire, mettre la pression en disant il est d'accord. Il va raconter. S'il est d'accord. Bon, je vais m'en occuper, je te tiens au courant. Je vais voir avec la mairie, je te dis la tendance et toi tu l'appelles pour le rassurer, éventuellement le convaincre. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Super. Merci Cynthia. Vous allez rentrer là. Rentrez pour regarder la télé, quoi, par exemple, pour rien. Hein?
de... Bon, c'est bon, j'ai les infos sur comment ça s'est passé. Alors, il est rentré. En fait, j'ai l'intervention des policiers. En fait, le mec sort, donc il agresse la dernière personne, mais les flics arrivent, ils essaient de le taser. Le mec continue malgré le. Ouais, continue à avancer. Donc l'autre tire, thorax, jambe. Ils arrivent à le mettre à terre. Et du coup, ils interviennent comme ça. Et le flic qui tire. Il était là le 14 juillet, et il était là lors du premier attentat, son troisième attentat. Allô, tu m'as parlé? Allô, allô. Putain, le mec. Tu m'as parlé, excuse-moi. Ok, ils ouvrent avec nous à 13h. Ok. Ça marche, on sera prêt. Le mec c'est Jack Bauer, le mec il a sur tous les attentats quoi. En fait il est rentré, il a tué un mec, il est ressorti, il avait un autre sur sa route et il a... Il y avait une dame, ouais. Oh là là. Le mec à Avignon a été abattu, hein. Oui. Non. Putain, si tu es infirmière, tu reçois des terroristes comme ça, et tu es un docteur. Oui. Tu dois te sauver. Ouais, la femme elle est infirmière, je sais pas comment. Elle travaille dans la réanimation, je sais pas comment tu vas avec lui. C'est le mec en sa place, elle va te donner un truc comme ça. C'est ton boulot, hein. Ah ouais, mais bon, putain. Ah, on a envie d'enfoncer un peu plus de, ouais, de trucs pour endormir, un peu comme ça, parce qu'on ne veut jamais... Tu peux le laisser en vous, madame. Regardez-vous. Non, il y a un véhicule qui arrive. Ouais. Ouais, Eric. Ouais. Ouais. Ouais, je suis à Nice Étoile. Ouais. C'est bien. Non, pas toi. Tu m'as tué avec ton les enfants, machin, laisse tomber. Tu es graqué en direct, je te jure. D'accord. C'est vrai qu'il y a une journée, quoi. Laisse tomber. Oh. Ouais, bah bon, en même temps t'es là. T'es un ouf. T'es vraiment un ouf. T'es un malade. Et faudrait que... Tu me donneras ton planning quand t'es là, parce que c'est les jours où il se passe les trucs à la con. Donc tu vois, je ferai gaffe ces jours-là. J'irai pas chez le médecin par exemple le matin. Parce que je suis arrivé à la bourre. Hein. Putain. Ah putain, grave. Je pense qu'on va couper les ponts là. Ok. Ah voilà. D'accord, ça roule. Merci. À tout à l'heure. Bisous. Bon, venons à bientôt. Bah, excuse-moi parce que là je suis dans le jus. Ouais, non, je l'ai pas.
de leur dire à ça. Allez, la bise. Ciao. Bon courage. Merci. Dans 5 minutes, ça marche. Allô? Qu'est-ce qu'on fait alors? On fait un duplex ou on fait comme nous depuis ce matin? Ouais. Ok, merci. Monsieur, écartez-vous s'il vous plaît. Allez, tac. 53, bon, ça va, j'ai le temps. La pile. Ouais, bon, non, juste pour te dire que j'ai la photo du mec. Voilà. Oui. Oui, tu l'as? Ok, bon, ça va. Non. Un peu. D'accord, ça va, ça va. Ok, très bien. Bon, ben, on reste en stand-by. Ok, ça roule. Ciao. D'accord, ok, merci. Pardon ? On va tester le micro. Ah, d'accord. Vas-y, dis-moi. 1, 2, 1, 2, est-ce que tu m'entends bien ? Du coup, là, je me mets...
visiblement c'est un Tunisien. Ça va ? Voilà Jacques. Ça va ? Ah, ben je sais pas. Il est juste à côté, hein ? Oui, il a pris deux fois. Ah bah à mon avis, il a dû arriver super tôt. Et Julien, il est là-haut ? Julien, il est à Tende. C'est le risque, hein ? Il descend ce soir. Mesdames, vous quittez le centre de la route, s'il vous plaît. Écartez-vous. C'est bon, vous pouvez le reprendre. C'était ton frère ? Qui ça ? Le mec qui vient de passer. Non ? Putain, il te ressemble. C'est ça ? Ouais. Ok. Non, c'est le correspondant de RTL à Marseille. Hugo. C'est son frère. Ah, bah, tu le connais pas, Hugo ? Non. T'as jamais bossé Non, non. Hugo Hamelin. Ouais, trop simple comme deux gouttes d'eau. Est-ce que tu peux, Julien, zoomer là-bas, s'il te plaît ? Mm-hmm. Au maximum. Une petite barre dans la caméra qu'il faudra changer après le départ. Alors donc ce matin, vers 9h, une personne pénètre dans l'église, la basilique Notre-Dame, et agresse au couteau deux personnes, le gardien de la basilique et puis une fidèle de la basilique qui était en train de prier. Ensuite, il attaque une troisième personne qui parvient à s'enfuir. Cette dame d'une quarantaine d'années échappe aux terroristes, traverse la rue. Les services de secours arrivent très rapidement. Cette dame vit encore. Les services, les secours essaient de la sauver. Elle a été touchée au cou. Cette dame, elle a le temps de parler. Elle prononce des mots. Elle dit aux équipes de secours cette phrase qui nous a tous bouleversés quand on l'a entendue. Elle a dit: dites à mes enfants que je les aime avant de succomber à ces blessures. Une phrase terrible à entendre, et pourtant c'est bien ce qui s'est passé ce matin ici sur l'avenue Jean Médecin. Les faits, ce sont aussi des interventions, surtout l'intervention de la police municipale, trois agents qui sont arrivés 10 minutes après parce que un passant avait appuyé sur le bouton d'alerte. Il y a à Nice, un peu partout dans la ville, des boutons d'alerte qui préviennent la police municipale automatiquement. Donc la police municipale arrive, trois agents sortent de la voiture, ils utilisent leur taser
pour justement bloquer, mettre au sol le terroriste, mais ils résistent à ce taser et ensuite ils sont obligés d'utiliser leurs armes parce qu'ils continuent d'avancer vers eux et donc ils tirent dans l'épaule et dans la jambe du terroriste pour le mettre au sol et il est ensuite emmené à l'hôpital pour y être soigné actuellement. Donc voilà les derniers faits dont on dispose. L'émotion est immense ici à Nice. Troisième attentat en l'espace de 5 ans. Février 2015, des militaires sont attaqués sur l'avenue Jean Médecin. 14 juillet 2016, 86 personnes succombent après qu'un camion ait roulé sur la promenade des Anglais. Donc les pensées des Niçois vont à ces victimes des attentats qui, évidemment, revivent ces moments terribles. Donc les pensées vont à toutes ces victimes, ces familles qui sont restées, qui se sont vues endeuillées, qui ont perdu des enfants le 14 juillet notamment, et qui aujourd'hui assistent de nouveau à cette actualité qui les touche, qui les mine et qui les replonge dans des moments très très difficiles. Et c'est toute la ville de Nice même qui replonge dans ce moment difficile. On sait que il a fallu des mois voire des années pour certains se remettre du 14 juillet. Donc c'est vraiment un traumatisme assez marquant ici à Nice, les trois attentats en l'espace de 5 ans. C'est un Tunisien, visiblement. Tunisien. Mmh. Visiblement. Ouais. D'après les premières infos qu'on a. Ouais. Il n'est pas mort ? Non. Non. Non, ils l'ont eu à l'épaule et à la jambe. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est le pizzaïolo. Bien. Lui, il témoigne. Il était là, il buvait un café avec son patron, hein, à la fabrique juste en face. Bon. Il a vu rentrer un gars. Bon, c'est... Il m'a donné son famille, son âge. Donc... Mmh. Bon, on le fait. Je pense que c'est vrai. Je dis, ben, moi, je... Tu décoches... Allô ? Elle est belle en plus ? Allô ? En fait, elle a mis deux, parce qu'elle a fait pas la première fois. Ah, elle a fait que... Ah ! Tu sais comment ils sont les gens, en fait, ils ont belle en plus. Ah, non, d'accord. Bon. Allô, allô ? Attends, parce que là on peut pas bouger, attends, faut que je demande aussi. Ouais. Ah tu demandes ? Okay. Sinon je le fais venir ici. Oui mais dans tous les cas il va falloir qu'il coupe l'image pour qu'on puisse le mettre en place quoi. Même si on le fait en direct. Attends.
s'il y a un sens. Ouais. Ouais, tu devrais. On vient, on verra bien. Nom de famille. Ah, Thibault, pardon. Vous parlez anglais, peut-être ? Non. Ma copine, elle sait parler anglais, mais moi, je ne sais pas parler anglais. Est-ce qu'on peut vous solliciter deux minutes ? On est juste là. Avec la caméra, ça ne peut pas bouger. Parce que du coup, il y a l'image qui est fixe. Vous pouvez venir juste. Oui. Donc vous êtes pizzaïolo, c'est ça ? Ouais, ouais. D'accord. Et vous êtes en face ou à côté ? Presque sur le côté. En sur fait. Le côté là, ouais. Juste avant ? D'accord. Après la cathédrale. Hein. Après la cathédrale, ouais. D'accord. Avant le pont, ouais. Avant le pont SNCF. Bah vas-y, tourne la caméra. Il y a tout le monde qui vient. Ça fait la première fois que ça m'arrive. Ouais. Ouais, j'espère la dernière. Ah non, vous avez vu le plan ? Attends, la cathédrale. On décroche. Non, on rentrera après. Je suis rentré. Allô, est-ce que tu m'entends ? On va décrocher pour faire une interview. On a un témoin. Non, après, j'ai entendu des coups de feu. Oui. Tu veux qu'on prenne en direct ou pas ? Non. Oui, j'attends des secondes. C'est bon, allez, on décroche. Je pense que c'est la brioche. La brioche chaude là-bas. La brioche. C'est vert là ? Ouais, ouais. Comment je réagissais justement ? Ça fait peur quoi. Attendez, je vais décaler les modes. T'as des gens derrière. Ça fait bizarre, ça fait la première fois que ça m'arrive. Allez, votre prénom c'est ? Monsieur Thibault, Aurélien, ok. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? J'étais en train de boire un café avec mon patron, j'ai vu un mec rentrer assez rapidement dans l'église, habillé en noir. 8h50, 9h, et la police elle est arrivée vraiment vite pour rentrer pour faire un périmètre de sécurité. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous l'avez vu rentrer puis ressortir ? C'était quoi la... J'ai vu des mecs rentrer assez rapidement. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Le mec, il était habillé en noir. C'est tout ce que j'ai vu. D'accord. La police est arrivée rapidement. Vous avez entendu des coups de feu ? Ouais, beaucoup. 5-6 fois. D'accord. Et vous étiez où ? Sur mon lieu de travail. Ouais, sur mon lieu de travail. Quel est votre sentiment ce matin ? Vous êtes, Ça fait bizarre quoi. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai travaillé de nuit, j'ai pas encore dormi. Je suis réveillé, je suis au travail depuis 19h, j'ai pas encore dormi. Ça fait bizarre. On n'est pas à l'abri du vent quoi. Avec tout ce qui se passe en ce moment. Votre sentiment c'est quoi aujourd'hui ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous ressentez monsieur ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? On est plus en sécurité avec tout ce qui se passe. En plus, c'est de la faute de Macron. Je pense qu'il s'exprime mal aussi devant les personnes, devant les citoyens. Parler de religion et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il s'est mal exprimé et je pense que ça fait des déclics dans la France. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Par rapport à la liberté d'expression, les dires aux caricatures. Aux caricatures, les musulmans, les... Je pense que ça fait un déclic au niveau de ça. À propos de son discours d'hier. Ouais, mal formé les phrases. Avec son air niais. C'est un peu. Merci. Moi j'y suis mis aussi. Pour retirer ce que vous avez vu exactement, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Un mec rentré habillé en noir assez rapidement dans l'église. Plusieurs personnes. 5-6. 5-6 personnes ? Quoi, 5-6 personnes rentrées dans l'église et un mec à bien noir, en rotule.
Tu t'es connecté là? Oui, oui, je t'entends. Ouais, ouais, là c'est bon, on est posé, c'est bon. Oui, je parle avec un policier. Merci. Thank you.
marche. Arrêter là-haut pour sortir, qu'ils sont rentrés dans la rue. C'est ce qu'il faudrait qu'il soit dans l'axe. Il y a une équipe dans l'axe. Il y a un plus surtout. En plus, bon, ça va. Bon, on est à l'arrivée. À part Thierry, je sais pas. Tu penses à qui, toi? Il n'y a pas d'autres personnes dans le bureau qui. Ah ben sinon on peut aller le voir à Lyon, si d'accord. Tu peux lui poser la question. Demande-lui de parler au nom des victimes, de parler de ce qui s'est passé avec le juge, la juge, tu vois des trucs comme ça quoi. Tu vois et tu me rappelles ? Allez, c'est gentil. Allez, voilà. Allez, courage. À tout. Ciao. Vous reculez, madame. Regarde-moi, Audrey.
Il faut trois de prestations. Ouais, pas de problème.